Ah, Jim. Viens ici, viens t'asseoir. Bertie, un verre pour Monsieur Barclay. Eh bien, on dirait que tu t'es mis sur ton 31. Ah, c'est un grand jour aujourd'hui. Oui, c'est un grand jour. La diligence de Nancy ne s'arrête pas ici. Je dois la récupérer à Peshtigo à 3 heures. Tu m'as l'air nerveux. Non, j'ai aucune raison d'être nerveux, pour la moindre. Non, mais raison. Tout à fait. Tu sais, Is, j'ai dû poster au total à Nancy Briggs une centaine de lettres durant ces 2 dernières années. C'est comme si je lui avais fait la cour en personne. Oui, bien sûr. Elle est originaire de l'Est. Elle est adorable. Je ne pense pas que nous soyons très différents. Elle et moi, nous nous entendrons très bien. Je te déconseille de boire davantage pour ne pas rater la diligence. Oh. Je serais content d'être garçon d'honneur. Merci. C'est très gentil à toi, Is. Oui, bon. Vas-y doucement. Crois-tu que Nancy aimera ça? Tu sauras très vite. Doucement, doucement. Non, je vais bien, je t'assure, je vais bien. Tu es sûr de pouvoir conduire? Oui, je peux conduire, je vais très bien. Oh, oh là! Oh là. Oh. Est-ce que ça va, Jim? Ah, oh, c'est encore mon mal de dos. Reste ici, je vais chercher le docteur. Non, Nancy est en train de m'attendre. Mais tu n'es pas en état de conduire. Attends, si je dois y aller, personne ne peut me remplacer. Ça fait du bien de vous voir, monsieur. Que s'est-il passé? Dehors la loi, ils nous ont pris en otage. Quel horrible cauchemar! Ils ont tué le conducteur et cette pauvre fille. Elle a écopé d'une balle perdue. Madame Briggs s'en est bien sortie, moi aussi. Il y a longtemps qu'ils enfilaient? Il y a à peu près une heure, disons. On a pensé sage de rester ici, près du relais. Vous avez eu raison. Nous verrons le shérif à Stockton en arrivant. Croyez-vous qu'on puisse déposer ces valises dans votre voiture? Bien sûr. Merci. Je suis ennuyée. On ne veut pas me prendre à Peshtigo. Je suis Is Barclay, Madame Briggs, un ami de Jim North. Oh, enchanté. J'ai peur de vous donner de mauvaises nouvelles. Il n'a pas changé d'avis, au moins? Non, il a des ennuis avec son dos. Ce n'est pas grave, rien de sérieux. Vous êtes sûr que vous ne me cachez rien? Non. Jim m'a chargé de vous donner ceci. Oh, elles sont ravissantes. On va se dépêcher. Vous verrez Jim en personne. Merci beaucoup, Monsieur Barclay. Je vais rester en ville quelque temps. J'aimerais vous offrir un verre, si vous le permettez. Bien sûr, avec plaisir. Au revoir, Madame Briggs. Au revoir, Monsieur Clayton. Je tiens à vous remercier de la gentillesse que vous avez eue à mon égard. Ce n'est rien. Ah, j'oubliais, je vous souhaite tout le bonheur possible à l'occasion de ce mariage. Merci. Je suis un peu nerveuse, Monsieur Barclay, pour ne rien vous cacher. Vous n'avez aucune raison de l'être. En fait, j'ai peur que Jim ne m'aime pas. Lui aussi en a peur.
Madame Briggs, vous n'avez jamais visité Denver? Denver, non. Carson City? Non, monsieur Barclay, pourquoi? J'ai l'impression de vous avoir déjà vu. J'en doute, je ne vois pas comment. Je ne me suis jamais aventurée au-delà de Saint-Louis. Cependant, certains enseignants voyagent souvent et vont d'une ville à l'autre. Ils en ont les moyens. Oh, monsieur Barclay, vous êtes un ami de Jim de longue date. On se connaît depuis pas mal de temps. Soyez gentil, parlez-moi de lui. Je ne sais pas par où commencer. Quels sont ses plats favoris? Je vous souhaite de bien aimer le piment. Il aime les piments. Il ne vous a rien dit au sujet d'un voyage au Mexique l'an dernier? Oh. Il ne vous en a pas parlé? Non, je n'en savais rien. Il aurait dû le faire. Pourquoi était-ce si important? Il y a eu une inondation dans une petite ville à la frontière mexicaine. Lui et Maria sont allés voir ce qu'ils pouvaient faire. Ils y ont passé 3 mois. Il y est allé 3 mois? C'est un homme bien et... sa femme a vraiment du courage pour rester là-bas 3 mois. Maria et sa gouvernante. Rachel est morte il y a de cela 8 ans. Oh, oui, sa gouvernante. Comment ai-je pu oublier? Il en parle tellement dans toutes ses lettres. Dans combien de temps arriverons-nous? Environ 20 minutes. Oh, je me sens un peu fatiguée. Je voudrais bien faire une toute petite sieste. Maria, êtes-vous sûre que tout est en ordre? Oui, monsieur Jim. Très bien. Et sa chambre? Ah, elle est impeccable, vous allez voir. J'ai acheté des fleurs comme vous me l'aviez demandé. Très bien. Oui, c'est parfait, c'est parfait. Oh, Maria, et le souper? Ne vous inquiétez pas pour ça, il sera parfait. Tout sera parfait, soyez en sûr. Oui, tout sera parfait, bien sûr. Tout sera parfait, si vous me dites. Oh, ils arrivent. Oh. Maria, cachez-moi ça. Oui. Dépêchez-vous. Maria. Comment me trouvez-vous? Vous êtes parfait, vraiment, Seigneur Jim. Merci. Venez, Maria. Maria, je vais rester ici et vous irez ouvrir la porte. Hein. Si, Seigneur. La voilà, Jim, elle est saine et sauve. Et s'il vous plaît, je peux vous débarrasser? C'est un plaisir de vous rencontrer enfin. Vous avez fait bon voyage? Oui, tout s'est très bien passé. Alors, si vous avez fait bon voyage, c'est l'essentiel. Je m'en vais, je crois que... Oh non, Louise, non, reste. Tu ne me refuseras pas un café ou un petit alcool. Entrez, entrez. Ce petit voyage a dû vous fatiguer, Nancy. Un café vous remettra d'aplomb. À moins que vous ayez faim. Entrez donc, asseyez-vous. À cette place-là, asseyez-vous. Nancy, nous avons beaucoup de choses à nous dire, vous et moi. Et... Oui, je le pense aussi. Je crois que vous avez compris que si je ne vous ai pas demandé de photos ni envoyé la mienne, c'était que j'avais peur de votre réaction à cause de mon âge. Jim, vous n'aviez aucune raison de ne pas... Enfin, nous sommes là, l'un en face de l'autre, et si vous êtes déçu, alors je peux demander à Is de vous ramener en ville. Soyez sûr que je ne vous en voudrais pas. Oh, non, pas du tout, je veux rester. Vous en êtes sûr, Nancy? Oui, j'en suis sûre. Je vous promets de vous combler de bonheur. Je m'y emploierai au mieux. Je vous aime, Nancy, et tout le monde vous aimera. Jim, je suis vraiment ravie de me marier avec vous. Je ferai tout pour être une bonne épouse, la meilleure qui soit. Nancy, les amis, vous m'avez conseillé de lire les petites annonces quand j'achetais un magazine, ou d'en publier une. Je trouvais ça ridicule, mais de toute ma vie, c'est ce que j'ai dû faire de mieux, je crois. Je ferais mieux de m'en aller, Jim. Oh, merci, yes, merci. Tout se passe pour le mieux, tu ne trouves pas? Oui, c'est sûr. À très bientôt, Madame Briggs. Elle va habiter ici. Son nom est Nancy. Nancy, je m'en souviendrai. Au revoir, Nancy. Au revoir et merci encore. Au revoir, Jim. Au revoir, Is. Nous allons avoir besoin de brosse neuve. Pourquoi? J'aimerais bien que tu sois un petit peu plus clair. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? De quoi elle a l'air, cette fille? Elle a l'air d'être gentille. Mais elle est mignonne? Oui, elle est mignonne. Quoi? C'est tout? Elle n'est que mignonne? Non, non, elle est plus que ça. Elle est... C'est une très belle femme.
Tu ne peux rien me dire de plus sur elle. Tu crois qu'elle conviendra à Jim? Je suppose que oui. Mais... Mais quoi? Non, rien, elle est très jolie. Oui. Bon. Peu importe à quoi elle ressemble, on en saura plus demain soir, n'est-ce pas? Excusez-moi, le dîner sera prêt dans une minute. Nancy, dorénavant, je ne veux plus que vous passiez le plus clair de votre temps derrière vos fourneaux. Attendez de voir le dîner qu'elle vous a préparé. Elle a pensé à tout, vous allez voir. À vrai dire, elle a mis juste ce qu'il fallait de piment dans le plat. Et doué. Heureusement pour moi, Maria m'a aidé. Jim a beaucoup de chance de vous avoir rencontré. Nous en sommes tous très contents pour lui. Merci, Madame Barclay. Dites-moi, pourrais-je vous aider à préparer ce mariage? J'allais vous en parler, Victoria. J'ai quelque chose à vous demander. Nancy voudrait aller faire des emplettes en ville. Je vous accompagnerai avec joie. J'ai une couturière qui vous fera une robe ravissante pour votre mariage. Iss pourra vous y conduire. Et je suis sûre que j'aurai le temps de vous montrer notre école. L'école? J'espère qu'elle vous plaira. Nous manquons en cours élémentaire d'une institutrice. Les enfants sont très gentils et avec votre expérience, il n'y aura aucun problème. Oh, Madame Barclay, je n'ai pas l'intention d'enseigner. Ah? Nancy, mais dans vos lettres, je croyais que vous seriez contente de recommencer à enseigner. Oui, Jim, seulement j'ai changé d'avis. Je ne veux plus enseigner. Vous comprendrez aisément les raisons de ce changement. J'aurais tellement de travail à faire à la maison. Je dois apprendre à tenir un ranch. Je tiens à y consacrer la plupart de mon temps. Je comprends, Nancy. Et je suis sûr que vous le comprenez aussi, Victoria, n'est-ce pas? Bien sûr. On mettra une petite annonce. Le dîner est servi. Jim, m'en voudras-tu beaucoup si j'offre mon bras à la future Madame North? Non, pas du tout. Victoria. Nous allons bien rester 2 ou 3 heures pour choisir les dentelles et les tissus pour la même occasion. Iss, pourrais-tu nous accompagner et nous aider à choisir? Justement, je viens de faire un choix, celui de revenir dans 2 heures. Monsieur Barclay, voulez-vous vous joindre à nous? Eh bien, pourquoi pas? Stockton est une ville très calme, plus grande, bien plus grande que je ne le croyais. Elle grandit de jour en jour. En pleine expansion. Elle me paraît être idéale pour y faire des investissements. Vous faites des investissements? Oui, pour le compte de mon père, Everett Clayton. Il possède la moitié de San Francisco. Qui ouvre de combien? Moi, je mise 1 $. Oui, Stockton, c'est une ville très intéressante. On joue au poker, messieurs. Donnez-moi une carte. Monsieur Barclay? 3. Celui qui distribue jouera avec ce paquet. Je parie 5 $. Et 5 de plus pour moi. C'est à monsieur Barclay de parier. Je passe. J'ai dit que je mettais 5 de plus. Je veux voir. Très bien, j'ai une suite. Ce n'est pas suffisant. J'ai un full aux as, battu. Et tout ça sans tirer une carte? Vous êtes un bien curieux joueur. Je ne suis pas un curieux joueur, c'est vous qui n'êtes pas un bon joueur. Vous ne parieriez pas le plus petit dollar sur un homme qui ne redemande pas de carte. Je sais jouer au poker, je n'ai pas besoin de leçons. Calmez-vous. Ne me touchez pas. Faites sortir ce chien. Couchez, Charlie, couchez. Maintenant, écartez-vous. Tenez votre animal en laisse et faites en sorte qu'il se tienne tranquille, compris? Viens ici, Charlie. J'ai assez joué au poker pour aujourd'hui, monsieur Barclay. C'est une très mauvaise habitude de jouer au poker avec des étrangers. Devrais renoncer. Vous boirez bien quelque chose. Un whisky. De whisky, garçon, s'il vous plaît. Alors, Madame Briggs se porte bien? Très bien. Elle ne va pas tarder à se marier. C'est splendide, splendide. Dommage pour cette autre fille dans la diligence. Comment s'appelait-elle?
Madame... Madame Morrison, Sheila Morrison. C'est stupide tout de même. Elle était en visite ou elle était originaire d'ici? Je n'en sais rien, elle n'était pas très bavarde. Vous avez de la chance. Quand un homme voyage avec une femme, au bout d'une heure, il sait toute sa vie. Oui, c'est vrai. Voulez-vous un cigare, monsieur Barclay? Non, merci. Tant pis, c'est dommage. Ils sont très bons. Jack's Saloon, Copper Creek. Ah oui, vous êtes passé dans le coin? Oui, mais il y a longtemps. C'est un trou perdu, vraiment. Je suis ravi tout à fait de ne plus y mettre les pieds. Bon, je dois y aller. Merci pour le verre, monsieur Clayton. À la prochaine. J'y compte bien. De voyage. Personne ne l'a réclamé. Nous ne savons pas qui nous devons avertir. Il n'y a rien qui permette de l'identifier? Rien que des habits. Comme celui-ci. Une sorte de... une tenue de musical, on dirait. Merci, Phil. C'est très gentil à vous de bien vouloir m'accompagner. Je tiens beaucoup à vous en remercier. Votre mère est une personne merveilleuse. Il y a peu de gens comme elle. Vous êtes tous vraiment très gentils avec moi. Tous les amis de Jim. Tout le monde. Tous excepté vous. Vous ne m'aimez pas. Je n'ai aucune raison de ne pas vous aimer. Vous faites erreur. Non, c'est faux, je m'en rends compte. Ah, vous voilà, je vous attendais. Laissez-moi prendre ça. Qu'est-ce que vous avez fait? Entre donc, vous avez acheté tout le magasin. Qu'y a-t-il dans celui-là? Avant de l'ouvrir, je dois vous prévenir que je n'aime pas trop les chapeaux excentriques. J'espère qu'il n'est pas trop excentrique. Non, il est très beau, vraiment très beau. Essayez-le tout de suite. Tu ne la trouves pas merveilleuse, Is? Si, bien sûr. Je dois me sauver, Jim. Reste dîner avec nous. Ce serait avec plaisir, mais je n'ai pas le temps. Je dois m'occuper du bétail. Bah, il faut bien prendre le temps de dîner, tout de même, pas vrai, Nancy? Oui, je vous en prie, restez. Ce serait avec joie, mais si je ne rentre pas, Nick va me mettre à la porte. Ah, si Nick te fout à la porte, viens travailler ici, je te payerai le double. Merci, Jim. Au revoir, Nancy. Au revoir, Is. Au revoir. Nous ferions bien de monter tous ces paquets en haut. Nancy? Que se passe-t-il, Nancy? C'est Is, je sens qu'il ne m'aime pas. Qu'est-ce qui vous a mis ça dans la tête? Mais c'est la vérité. Mais c'est un ami, un excellent ami. Quelle raison aurait-il? Tout le monde voit combien je suis heureux et combien vous êtes belle. Un homme ne peut pas rester sans réaction devant vous, sans vous aimer. Peut-être vous aime-t-il trop. Il vous aime trop et refuse de l'admettre. Les jeunes gens sont quelquefois trop pudiques. Non, Jim. Ça n'a rien à voir avec ça. Vous êtes la fille la plus jolie qu'on ait jamais vue à Stockton. La fille la plus ravissante qu'on puisse imaginer. C'est la vérité. Si j'avais su que vous étiez aussi belle, j'aurais demandé à Shorty, mon contremaître à la panse bien remplie, d'aller vous chercher. Il est aimable comme un gardien de prison. Jim, je vous demande de me promettre de ne jamais être jaloux de Is. Ni de Shorty, ni de personne. Promettez-le-moi. Je vous le promets. Jim, vous êtes tout ce que j'aime. Vous êtes tel que je l'imaginais. Nancy. Mais Jarrod, tu vas à San Francisco de toute façon. Alors, tu pourrais quand même faire un saut chez Black et Foster, voir si tu peux y trouver quelque chose.
D'accord, je vais effectivement à San Francisco. Oui, je pourrais très bien faire un saut chez Black et Foster. Et pourtant, bien que j'aime beaucoup Jim et sa future épouse et que je leur souhaite tout le bonheur du monde... Ce n'est pas de bonheur dont il est question, mais d'un cadeau de mariage. C'est important, c'est certain. Mais bien moins que l'affaire extrêmement compliquée dont je me charge. Tant pis, je suppose que je trouverai bien quelque chose à Stockton. À ce propos, tiens, j'ai vu deux magnifiques candélabres en argent chez Hammond. Deux candélabres? Soit. Et toi, qu'est-ce que tu en penses, Yves? Parfait. Parfait. Tu n'as rien entendu de ce que je te disais. Mais si, tu voulais que Jarrod passe chez Black et Foster acheter un cadeau, mais il a refusé parce qu'il a trop de travail. Il pense que ces deux candélabres pourraient convenir. Par contre, moi, je crois que Jim préférerait que tu lui donnes ton poney Alza. Hé! Sais-tu que nous avons une armée de bétail dehors qui attend d'être marquée? Je pars en ville pour quelques jours. Pas avant vendredi. Je dois partir avant. Mais je ne peux pas me passer de toi, tu sais marquer le bétail. Alors embauche quelqu'un d'autre. Nous avons engagé autant d'hommes que nous le pouvions, mais j'ai besoin d'un homme qui sache donner des ordres, qui agisse comme s'il était le patron. À vous tous, madame... Et messieurs, je souhaite de bonjour. S'il vous plaît, n'oubliez pas de me tenir au courant de tout ce qui se passe. Que peux-tu avoir à faire qui soit si important, dis-moi? T'inquiète pas, tu attendras vendredi. Non, après vendredi, tu peux prendre une semaine de congé, tu peux partir en Chine si ça te dit, ça m'est égal. Yves, que se passe-t-il? Ça n'a pas l'air d'aller. Il est un peu tôt pour t'en parler tout de suite, maman. Mettre ses pieds. Qu'en pensez-vous? Je pense que c'est vraiment ravissant. Maria, quand nous avons commencé, il y a de cela une heure, la lampe était exactement là où elle est. C'est pareil pour la table de chevet. Nous sommes revenus à notre point de départ. Pas vraiment, il reste la chaise, nous l'avons déplacée. C'est vrai. Elle a bougé à peine de quelques centimètres. Je ne suis pas douée, c'est le moins qu'on puisse dire. Je n'ai aucune illusion, je me rends à l'évidence. Rachel avait-elle toujours de bonnes idées pour mettre chaque chose à la place qui convenait? Maria, quel genre de femme était-elle? Oh, elle était très chantilly. C'est une femme qui était très bonne. Venez près de moi vous asseoir. Approchez, asseyez-vous. Je vous remercie. Parlez-moi d'elle. Était-ce une belle femme? Oh, oui. Pas tellement des visages. Pour moi, elle était vraiment belle. Et pour Monsieur North? Bien... Oui, je sais. Je sais combien me parler d'elle doit être difficile pour vous, Maria. Si vous pouviez essayer, car c'est très important pour moi, très important. Je crois que vous êtes amoureuse d'Ellie. Oui, je le suis. Oui, je l'aime. Vous êtes très bonne pour Jim. Meilleure pour Jim qu'elle ne l'aurait jamais été. Il a changé une autre façon de rire, de s'amuser, une certaine gaieté. Avant, je ne l'avais jamais vu ainsi. Jamais. Pensez-vous que je saurais faire la cuisine aussi bien qu'elle la faisait? Ou coudre? Ou changer les meubles d'endroit? Croyez-vous qu'on puisse s'entendre tous les deux? Tout se passera bien. Je pense que vous ferez mieux que vous entendre. Oh, merci, Maria. Eh bien, qu'est-ce que vous mijotez toutes les deux? À ce propos, Maria, allons-nous bientôt déjeuner? Je pense pouvoir servir le repas dans quelques minutes. Bien. Nancy, qu'avez-vous imaginé? Je n'arrive pas à y croire. J'ai enfin le privilège de pouvoir mettre les pieds sur la table après 25 ans. Merci, Nancy. Je cherche Monsieur Jim North. Vous l'avez devant vous. Entrez. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Je m'appelle Reed Clayton. Un banquier m'a conseillé de venir vous voir car vous auriez des terres à vendre. J'ai effectivement beaucoup de terres, Monsieur Clayton, mais je ne vends rien. Je suis curieux de savoir qui a pu vous dire ça. Bonjour, Madame Briggs. Ravi de vous voir. Bonjour, Monsieur Clayton. Vous vous connaissez? Oui, bien sûr. Ce monsieur a été si gentil pour moi durant le voyage en diligence. Ah, Monsieur Clayton,
Puis-je vous en remercier? Ne me remerciez pas. Maintenant, si je pouvais vous parler de ces terrains, je dois vous dire que je représente les industries Clayton. On a dû vous parler de nous. Oui, bien sûr. Vous pensez vous implanter par ici? On espère implanter une fabrique et embaucher 300 personnes. Notez que si ce projet n'a pas le moindre sens pour vous, il pourrait en avoir un pour les habitants de Stockton. Oui, c'est évident. Que diriez-vous si nous allions en faire un tour, Monsieur Clayton? Nous pourrions parler affaires. Servez quelque chose à Monsieur Clayton, Nancy. Elles sont tombées de verre. Maria est dans la cuisine et risque d'entrer d'un moment à l'autre. Tu n'aurais pas dû venir ici. Ça fait 3 jours et 3 nuits. Tu as dit toi-même qu'il était dangereux de se trouver ensemble. Il y a une grosse différence entre ce que je fais et ce que je dis. Je ne t'ai pas touché ni vu depuis longtemps. Je voulais rien qu'un instant. Non, Reed, pas ici, évite. Je ne peux plus résister. Et tu ne le pourras pas longtemps, toi non plus. Comment vont nos affaires? Tout va très, très, très bien. Bien. J'espère au moins que ce plouc est fou amoureux. En tout cas, je sais qu'il m'aime bien. Ah, dis, parle-moi de M. Barclay. Lui, au contraire, il ne m'aime pas. Tu dois t'appliquer encore. Quand ça ne marche pas avec un homme, il faut se montrer plus persuasif. Tu n'es venu ici que pour cette raison? Non, je croyais t'avoir montré quelles étaient mes raisons. Bonjour. Et si votre mère disait qu'un de ces jours, on pourrait aller visiter votre ranch toutes les deux? Elle est partie en ville. Pourriez-vous me rendre ce service? C'est-à-dire que j'ai beaucoup de travail. Je vous en prie, ce ne sera pas très long. Très bien, je vais vous faire visiter. Vraiment, je trouve que votre ranch est fabuleux. C'est un endroit parfait pour un pique-nique. Y a-t-il du poisson dans cette rivière? Un peu. Asseyez-vous et racontez-moi. On ferait mieux de rentrer, il commence à se faire tard. Vous avez raison. Et je crois que Jim m'aime vraiment, j'en ai l'impression en tout cas. Moi aussi je l'aime. Je tâcherai de faire de mon mieux pour le rendre heureux. Oui, de mon mieux. Vous aimeriez que Jim le soit, vous aussi, je le sais. Je suis venue aujourd'hui pour cette raison. Et ne comprends pas pourquoi vous ne m'aimez pas. D'ailleurs, moi non plus. Sachez que ça le déprime. J'aime beaucoup ce pays. Avant d'arriver, je ne pensais pas que votre région allait me séduire à ce point. J'aime le mode de vie des gens d'ici. Je n'aurais jamais cru tomber si amoureuse de ce pays. Vous manigancez quelque chose contre moi et contre Jim. Vous tenez à tout prix à lui faire du mal. Je ne veux de mal à personne. Surtout pas à Jim. Tâchez de ne pas oublier une chose. Si vous essayez de me faire de la peine, vous en ferez surtout à Jim. Je n'ai aucune chance auprès de lui. Tout allait bien, tu disais hier. Oui, avec Jim, mais Heath Barclay. Tu vas te marier avec Jim North, pas avec Heath Barclay. Il risque d'empêcher qu'on se marie. Qu'a-t-il fait? Il n'a encore rien fait pour l'instant. Alors calme-toi un peu. J'ai essayé de lui parler et j'ai bien vu qu'on ne s'entendrait pas. C'est un garçon trop intègre. Il a des doutes, en tout cas, il paraît en avoir. Tu as l'impression qu'il a des doutes, et je alors? Je sais que lorsqu'un gars dans son genre doute, il est dangereux. Je t'ai dit de te calmer. Je ne veux pas être là quand il mettra son nez dans nos affaires et nous démasquera. Démasquer, vraiment?
Le temps qu'il le découvre, tu seras mariée depuis longtemps. Tu seras Madame Jim North, la maîtresse de maison. Reed, Copper Creek n'est pas si éloigné que ça. Ne t'inquiète pas, je t'assure que tout va marcher comme sur des roulettes. Parce que tu es faite pour ce travail. Reed, je suis inquiète. Si je fais un faux pas, quelque chose qui puisse éveiller les soupçons ou que Jim découvre toute la vérité. Il ne le pourra pas parce qu'il est tellement fou amoureux de toi qu'il en est aveugle. Il ne verrait pas le soleil en plein jour. Crois-moi. Je ne veux pas lui faire de mal, car c'est un homme comme il faut, généreux et bon. C'est surtout un vieil homme. Il est riche, c'est un vieillard. Tu ne vois pas qu'il se paye plus d'amour et de beauté qu'il n'en mérite avec tout son fric? Nous nous servons moins que nous ne pourrions le faire. Nous avons tort. Reed, nous nous sommes trompés. Nous avons fait fausse route depuis le début. Tu te rappelles pas de ce que tu m'as dit? Je te donnais l'espoir. Tu as découvert une façon de vivre que tu ignorais. Maintenant, tu peux toi aussi y accéder. Non, non, pas de cette façon. C'est la seule que nous ayons. Pour réussir, nous n'avons pas d'autres moyens. Dès le départ, tu le savais. Tu te rappelles de Copper Creek, du saloon de Copper Creek? Je m'en souviens, tu étais toujours dans les tenues vulgaires, tu t'exhibais devant tout le monde. Rappelle-toi combien tu te haïssais. Tu voudrais maintenant y retourner? Écoute-moi bien, tu dois penser à notre avenir à tous les deux. Dans 2 ou 3 mois, une fois que tu auras rompu, tu viendras habiter dans ma maison. Et tu deviendras alors Madame Reed Clayton. Aller chez toi? Je croyais que ton père t'avait déshérité. J'ai été pris pour une brebis galeuse. Je dois lui faire admettre qu'il s'est trompé. Je suis suffisamment malin pour faire un malheur dans les affaires. J'ai besoin d'une mise, et grâce à toi, je vais l'obtenir. Je refuse de lui faire du mal. Je voudrais que tu penses à moi au lieu de t'apitoyer sur lui. Pense à moi. Parce que je ne vais pas jouer au poker et gagner une misère durant des mois et être sans cesse en partance. Je compte sur toi. Tu dois retourner à tout prix chez Jim North et ne plus te tracasser pour ce Heath Barclay. Hé, hey, Clayton. Je ne vous avais pas entendu frapper. Merci. Merci beaucoup d'être venu. Je suis persuadé que tout se passera bien. Très, très bien. Merci. Vous attendez pas si tôt, mais merci quand même d'être venu. Le barman disait que vous vouliez me voir. J'ai reçu votre message. Que me valent ces 10 dollars? J'aimerais faire un petit arrangement, une sorte de paiement pour service rendu. Je n'y comprends rien. Vous étiez dans le gang des Hope à Sonora. Je sais que vous êtes un bon tireur. Ainsi, monsieur est un représentant de la loi? Non, je n'ai rien à nommer de loi. J'aimerais connaître vos qualifications, car j'aurais besoin de vos services. Vous me donneriez combien? 100 dollars tout de suite et 100 une fois fini. Ça vous intéresse? Oui, ça m'intéresse. Vous souvenez-vous de cet homme lors de la partie de poker qui s'était joint à nous? Il s'agit de monsieur Heath Barclay. Je suis là, Jim. Avez-vous passé une bonne journée? Et vous? J'ai passé la journée avec Jarod. Ah. Vous ne me demandez pas ce que nous faisions? On réglait une affaire importante. Bien, d'accord. Alors que faisiez-vous? Nancy,
Ça n'a pas l'air de vous intéresser. Si, ça m'intéresse beaucoup. Eh bien, je modifie mon testament. Ah, ces avocats, je vous jure. Pourquoi feraient-ils simple quand ils peuvent faire compliqué? Mais tout est signé. Je crois que vous vous doutez du contenu. Vous n'aurez plus à vous inquiéter maintenant. Vous prendrez ce ranch en main à ma mort. D'ailleurs, tout ce qui est ici vous appartiendra. Oh, Jim. J'ai consacré le plus clair de ma vie à bâtir ce domaine. Bien sûr, certaines années furent plutôt rudes. Maintenant, je suis à la tête de quelque chose dont je suis fier. Nancy, vous êtes ma légataire universelle et j'en suis heureux. Vous allez trop vite. Nous ne nous connaissons que depuis 2 semaines. Êtes-vous sûr que nous sommes faits l'un pour l'autre? Dès le moment où je vous ai vu, j'ai su que ça marcherait bien entre nous. Hériter du ranch et du reste, non, je ne peux pas. Comment ça? Au contraire, je ne sais comment vous dire. Mais d'une certaine manière, ce ranch, c'est moi. Et c'est tout cela que je vais vous offrir. Jim, excusez-moi, il faut que je monte. Nancy. Est-ce que je peux entrer? Oui, bien sûr. Nancy, vous faites vos bagages? Oui, je m'en vais. Pourquoi? Parce que ça ne marchera jamais entre nous. Je vous en prie, surtout ne me posez pas d'autres questions. Mais j'ai le droit de savoir. Le fait est que je vous aime et pour moi, c'est la seule chose qui importe. Ça me donne le droit de savoir. Comme nous étions naïfs de croire que tout allait se régler rien que par un courrier. Mais ces lettres, c'est du passé. Ce qui compte, ce sont les moments que nous avons passés ensemble, où nous étions vraiment amoureux. Je ne peux pas rester parce que je ne tiens pas à tout gâcher et vous rendre tous malheureux. Is, votre ami. Comment ça? Je l'ai vu ce matin. Vous devez me laisser partir, ça ne marchera pas entre nous. Vous avez vu Is aujourd'hui? Oui, Victoria devait me faire visiter leur propriété, mais elle n'a pas pu m'attendre. Et c'est lui qui vous a fait visiter. C'est la saison du marquage du bétail et lui, qui ne vous aime pas, vous fait pourtant visiter le ranch. Mais ça n'a rien à voir. J'ai quelque chose à tirer au clair. Jim, je sais ce que vous pensez, mais vous avez tort. Attention à ce que vous faites. Il n'a rien à voir avec tout ça, rien du tout. J'ai bien peur que si. Jim, je vous en prie. Alors tu pars? Oui, je pars. Et ta promesse d'attendre jusqu'à vendredi? Je sais, mais je ne peux pas attendre plus longtemps. Cette affaire a l'air d'être vraiment très importante. Eh bien, ne t'inquiète pas et fais ce que tu dois faire. Je me chargerai du marquage. Attends, j'ai hâte de parler. J'ai un train à prendre. Je dois te parler. On parlera à mon tour. Ça ne peut pas attendre. Descends de ton cheval. Très bien, qu'est-ce qui ne va pas? Où vas-tu si vite? Désolé, c'est personnel. Personnel? Quelle coïncidence! De quoi parles-tu? Nancy et toi quittez la ville tous les deux en même temps. Ah, parce qu'elle part? Parce que tu n'en savais rien. Is, en venant habiter chez moi, elle m'a apporté plus de bonheur que je n'osais l'espérer. Je ne sais comment dire. Elle représente un tas de choses. Si je la perdais, ma vie n'aurait plus aucun sens. J'ai beau être un homme fier, je te prie de la laisser tranquille. Tu comprends? Tu es un homme jeune. Ce ne sont pas les jeunes filles qui manquent. Tu te trompes, ça n'a rien à voir. Fais pas l'innocent avec moi! Je sais ce que tu as imaginé. Tu lui proposes une visite. Tu lui donnes rendez-vous sur place pour lui montrer le ranch. Si elle t'a parlé de cette visite, alors pourquoi? N'avoir rien dit. Et parce qu'elle a une très bonne éducation. Elle ne dit rien. C'est moi qui ai déduit. Tu te trompes. Je n'ai pas envie d'en discuter. Pas maintenant. Tu ne me l'arracheras pas sans avoir à te battre. Je ne me battrai pas avec toi. Oh!
tort de penser ça de moi. Un jour, tu t'en apercevras. Le train pour Copernic, il est parti il y a déjà une heure. Quand part le prochain? Le prochain, il part dans exactement 17 minutes. Vous aurez deux correspondances. Fais-moi un ticket. D'accord. Voilà votre billet. Bon voyage. Merci beaucoup. Rappelez votre bestiole. Ça va pas, ce chien peut bien s'amuser un peu, il est jeune. Il a assez joué maintenant, rappelez-le. Tiens donc, Charlie, viens ici, fous la paix, monsieur, veux-tu? Votre honneur a pas l'air de lui plaire, hein? Allez! Mais vous frappez mon chien? Vous n'auriez pas dû... Vous allez devoir vous battre. Ah, je témoignerai. J'ai tout vu, tout vu. Il vous a menacé. Je serai votre témoin s'il le faut. Merci. Vous le connaissiez? Non. Vous ne risquez rien. Je vais prévenir le shérif. Je voudrais un ticket pour Copper Creek, merci. Copper Creek. Voilà. Monsieur, alors vous devez boire vite. Je n'ai pas soif, je veux une information. Quel genre d'information? Allez, venez en discuter. Non, je ne veux pas discuter. Oh, c'est par ici. c'est par là. Excusez-moi, monsieur. Oh, alors, vous n'avez pas envie de parler avec moi? Alors, monsieur, cette dame a assez de votre compagnie. Laissez-la tranquille. De toute façon, je ferme. Alors, dépêchez-vous de terminer votre verre. Mais non, je voulais juste un peu. Ça suffit maintenant. Rentrez chez vous. Est-ce que vous avez trouvé ce que vous cherchiez? Alors asseyez-vous et prenez quelque chose. Quelle était votre question déjà? Peu importe. La dernière fois que j'ai bu un verre ici, c'était il y a 3 ans. 3 ans? Oh, ça en fait des verres depuis. Cette fille dans la diligence, vous avez pris sa place. Je savais que tôt ou tard, vous le découvririez. Et vous avez fui. Il y a une chose que Reed m'a apprise, ne jamais garder de mauvaises cartes. Si vous voulez, allez-y, frappez-moi, qu'attendez-vous? Ça ne sera pas la première fois. Ce que je ressens n'a pas la moindre importance. Vous vous faites du souci pour Jim. Laissez-moi vous dire une chose. Qu'aurait-il fait si je lui avais dit que je ne l'aimais pas, 2 mois plus tard? Que c'était fini une fois pour toutes et que je m'en allais? Naturellement, en jouant ce jeu-là, j'aurais pu m'en mettre plein les poches. J'ai bien failli croire à tous vos mensonges. Vraiment? Quand vous me parliez l'autre jour, près de la rivière, j'ai cru un moment que je me trompais, que vous l'aimiez peut-être, vraiment. Il n'y avait aucune chance. Vous m'imaginez passer toute une vie à lui tenir ses grosses mains calleuses, lui qui est si vieux? Vivre dans un ranch avec pour seule compagnie celle des chevaux, beau programme. C'est un homme riche. C'est tout ce que je pouvais espérer. Je suis désolée pour lui s'il a pris les choses autrement. Vous dites bien la vérité? Bien sûr, c'est la vérité. Je sais qu'il se faisait une autre image de moi, mais... Je voudrais que vous me rendiez un service. Quand vous le verrez,
Donnez-lui ça pour moi. Il me verra tel que je suis vraiment. Et quand il sera malheureux, il n'aura qu'à la regarder pour retrouver le moral et il comprendra que le quitter était la meilleure chose à faire. Vous feriez mieux de vous en aller maintenant. Mais il vous aime, et vous le savez. Je n'y peux rien. Je pense que si. Il a des défauts, mais il n'est pas idiot. Vous lui aviez rendu l'espoir. C'était une erreur. J'ai apporté un peu de tendresse à un vieil homme, sans plus. De toute façon, c'est terminé, tout est fini. Vous dites qu'il m'aimait, mais c'est faux. Il aimait une certaine Nancy Briggs. Mais pour lui, vous étiez Nancy Briggs. Je n'en peux plus, je dois rentrer me coucher, elle est bonne nuit. Je peux vous raccompagner? Faites comme vous voulez. Il y a un homme derrière une fenêtre qui cherche à vous tuer. Je vous jure que j'ignorais qu'il était ici. Tasse de café avant d'y aller? Non, non, j'attendrai qu'on soit arrivé. J'ai l'air inquiet. Tu l'as ramené, tu as fait tout ce que tu pouvais. Le reste, c'est son affaire. Oui, t'as raison. On verra bien si elle a le courage de lui dire la vérité. Elle la lui dira. Peut-être acceptera-t-il. Bonjour. Vous ne prenez pas de café avant de partir? Oui, c'est assez nerveux comme ça. Il doit rattraper le temps perdu pour le marquage des bêtes, alors on y va. À tout à l'heure, maman. Si tu as des nouvelles pour Nancy et Jim, envoie-moi quelqu'un pour prévenir. Ne t'inquiète pas, s'il y a du nouveau, je viendrai moi-même te le dire. Allons-y. Oh, Nancy, Jim, entrez. Merci. Merci. La prochaine fois, quand vous l'embrasserez, nous serons mariés. Félicitations. Félicitations, mon vieux. Cette bonne nouvelle me réjouit pour vous deux. Je vous souhaite d'être heureux. Merci. Et Victoria, je vous serai reconnaissant de bien vouloir tout organiser pour le mariage. Y serais-tu d'accord pour être mon témoin? Nous le voudrions. Voyez-vous ça, elle décide pour moi maintenant. Je voudrais... Non, 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 je veux dire, nous voudrions sur notre terrain.